Celui qui bouge, je vais l'allumer. Je vais l'allumer. Allumez-moi mon calumet. Mon calumet. Wesh les postos, comment ça va cette semaine? Bene ou bene, pato pesto ou pas? Eh les gars, j'ai la patate. Mais tu vois, ces petites intros, ça me permet de me mettre en jambe. Parce que je te jure, des fois, quand je lance la caméra, je suis comme ça. Hello. Salut les postos. Comment ça va cette semaine? Donc tu vois, je suis obligé de me motiver un peu, de me mettre en jambe. Et gros, ça met le feu. Voilà, je suis hal. Donc comment ça va cette semaine, les gars? Je vous ai manqué ou pas? Comment ça se passe cette toute fin de confinement? Ah les gars, on arrive au bout du bout, là. On sent que ça... On sent que... On va regretter cette période, hein. Cette douce période où on se réveillait à 15h de l'après-midi, parce qu'on se couchait à 7h du matin, parce qu'on a geeké sur Warzone toute la nuit. Bon les gars, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo aujourd'hui, il y a deux vidéos de ça. C'était le challenge ASMR avec ma petite sœur. Du coup, je me suis dit, pourquoi on se materait pas des ASMR what the fuck qu'on trouve sur YouTube? Parce que les gars, je vous jure, dans cette catégorie, ouais, t'as des trucs de fou. Ah, t'as des gens, ils sont malades, vraiment. Donc j'ai demandé à une main innocente de me choisir une quinzaine de vidéos. Ah les gars, je vais pas le faire moi-même, comme ça je découvre vraiment en live avec vous, tu vois. Et on va les mater ensemble. Et c'est parti mon poste. Ah oui, j'ai failli oublier. Une grosse dédicace les gars, dans mon avant-dernière vidéo, on m'a demandé une petite dédicace. Donc il y a un frérot de Nancy, Rachouette54. Écoute, je te passe une dédicace mon poste, tu me l'as demandé dans les commentaires. Ça me fait plaisir. Putain, il y a une bestiole ou quoi? Allez, j'étais pas à me demander dédicace les frérots, je vous jure, ça me fait kiffer, j'ai l'impression d'être une rosta. Pas de mieux. Un petit peu de musique. J'espère que ça vous a plu. Ok, bon, déjà on a affaire à un asiatique, les gars. Bon, je suis pas raciste, hein. Je constate, c'est tout. Oh, c'est l'école. Vous vous souvenez de l'école UU qu'on utilisait? Bah, l'école, justement. Bon, pour rappel, hein, juste vite fait les gars, pour ceux qui débarquent, les vidéos ASMR, parce que là on a affaire à des trucs vraiment chelous, mais en vrai, c'est des gens qui te font des bruits avec des objets, soi-disant pour te relaxer. En vrai, si tu te mets dans un petit mood, tu mets tes écouteurs, tu regardes ça, des fois t'as des meufs qui tapent sur des objets, qui te font des trucs, qui jouent avec du plastique ou des trucs, en vrai ça peut être détente, mais là c'est des bails vraiment chelous, donc sois pas surpris. Hein. Bon, putain. Mais je vais pas taper dedans, là. Mais il est malade ce type! En fait, il va bouffer tout son décor, les gars, j'ai l'impression. Bon, vas-y, j'en ai assez vu pour cette première vidéo. Bon, en vrai, les gars, je sais même pas ce qu'il bouffe. Je sais même pas si c'est comestible ce qu'il graille. Vidéo suivante. Wesh, c'est quoi ça? Bon les gars, on a affaire à un autre gars, je sais même pas si c'est le même gars, en fait. Waouh, mais qu'est-ce qu'il fait ce malade? C'est du poulpe. Waouh. C'est là qu'on voit que les japonais sont quand même chez père, les gars, hein. On va pas se mentir. Enfin, je dis les japonaises, je sais même pas si c'est un japonais, c'est un asiatique, mais... Ah mais c'est dégueulasse. Ah les gars, âme sensible, s'abstenir, hein. Je vous autorise à quitter la vidéo, les gars. Moi-même, je vais la quitter, je crois, la vidéo. Pourquoi il met des bofs? Pourquoi il met des bofs? Waouh! 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 Attendez, petit message à la personne qui m'a sélectionné ces vidéos. Tu peux m'expliquer pourquoi t'as choisi ces vidéos-là, s'il te plaît? Comme je l'ai dit, je suis vraiment pas au courant de ce qu'on va mater, les gars. Donc, vous êtes dans le même bateau que moi, je découvre en même temps que vous. Ils sont vraiment un chelou ceux qui font de l'ASMR, ils sont chelous. Ah, me dis pas qu'il va grailler du savon lui aussi. Non mais attends, c'est des bonbons, c'est quoi, c'est pas possible. Il bouffe du savon. Je l'ai cru c'était de la sauce là. Ah les gars, ça me dégoûte. C'est pas possible. Après, tu remarqueras qu'ils sont quand même dans la mise en scène. Hein, parce qu'il t'a mis la petite fleur de douche sur le déco, tu vois, pour vraiment mettre l'ambiance. Je prends un bain, je me lave. En plus, ah, les bruits de bouche. Ah les gars, je me sens pas bien. Là, je vous jure, je me sens pas bien. Vous voulez pas une autre vidéo story time où je vous raconte des choses? La personne là, qui a sélectionné ces vidéos, on va avoir une discussion. On va avoir une sacrée discussion, toi et moi.
Ah putain, on a affaire à un français. Ouh, une vidéo française. Ouais, c'est bon, tu m'entends bien. Attends, je vais essayer de garder un petit peu de micro. Ah, je t'entends, mon pote. Tu m'entends bien. Ouais, je t'entends, je t'ai dit, je t'entends. Bien. Me caresse pas, me caresse pas le visage. Tu voulais que je te fasse une petite séquence relaxation, 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 c'est ça? Non. Ouais, t'as vu là-bas? Attends, je me suis mis, j'ai tout mis, j'ai mis l'ambiance et tout, spécial pour que tu t'en aimes. Ah bah, je me suis dit, vas-y, ce soir, je te fais une petite séance relaxation pour que tu t'en aimes. Je t'ai rien demandé, mon poste. Ouais, je sais, en plus, ouais, je te connais d'habitude, t'es super stressé, alors là, avec le confinement. Non, tu me connais pas, tu me connais pas. Ouais, t'inquiète. Bon les gars, en fait, si vous avez pas compris ce que c'est, si je dis pas de bêtises, hein, mais là en gros, c'est ce qu'on appelle un roleplay. C'est-à-dire que le gars, il te fait une vidéo, soi-disant relaxation, où il rentre dans un personnage, une mise en scène. Et là, techniquement, si je comprends bien, le style du roleplay, de la mise en scène, c'est qu'il parle à un pote ou à une pote, je sais pas quoi, en Skype ou un truc comme ça, on appelle visio, il a dit. Il me fait délirer. Et pour le moment, c'est la vidéo qui m'a fait le plus rire, les gars. Donc c'est parti. Ouais, ça te dérange pas parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui aiment pas trop les ASMR, donc c'est comme tu veux, c'est comme tu sens, comme tu sens, comme tu sens, comme tu sens, comme tu sens. Tu veux bien? Ok, parce que je vais faire ça. J'ai fait cette vidéo. Ok, bon, on va faire un peu plus rapide. Là, normalement, c'est plus ma spécialité, on va dire. Ouais, ça te va. Allez, on est parti. Oh putain, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo, les gars. Ouais, il était marrant. Il était. Ça va. Franchement, c'était pas mal. Donc, écoutez, vidéo suivante. Oh non. Why so serious, sir? Bon, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça c'est un roleplay. Je comprends rien à ce qu'il dit, mais bon, je comprends. Il a la tête du Joker, il a un couteau. Why so serious? Frère, ne me frappe pas, gros! C'est censé être des... C'est ça qui me tue, c'est que c'est censé être des vidéos de détente. À quel moment tu peux te détendre avec ça? Tu vois, je veux faire des crêpes ou quoi? Je sais les armes à la maman, j'ai raté l'avion, ça. Qu'est-ce que tu nous fais, gros? Allez, gros, il est pété, ton tour. Le même, il se tape une barre, gros. I don't wanna kill you. Bon, on arrive vers la fin des vidéos, les gars, c'est l'avant-dernière, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a des tatouages, mon gars. Qu'est-ce que c'est que... Ah, c'est de l'aloe vera! Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est de l'aloe vera. Alors moi je suis un gros inculte les gars donc mais je crois que c'est l'aloe vera. Me dis pas elle va le manger, me dis pas elle va le manger. Bon, je sais pas si ça se mange en vrai. Est-ce que ça se mange l'aloe vera? Je crois pas. Hein. C'est pas des. On en met pas dans du shampoing ou dans des produits de beauté, l'aloe vera? Bon je te cache pas que la sauce Sprite là, il me donne envie, tu vois. À l'heure qu'il est, je crois, il est 16h. En gros, on peut manger dans à peu près 5h. C'est des verres en sucre, quoi. Bon, ok, on a compris la vidéo, les posts. Vidéo suivante. C'est reparti pour un tour, puisque je suis de retour. Laissez-moi me présenter. Je suis le collectionneur ASMR. Mon but est de... Là, c'est en bail jeu vidéo, j'aime bien, ça j'aime bien. ...le monde entier, quel que soit le domaine. Cela fait depuis 7 ans que je collectionne les boîtes de conserve. Et j'en ai de toutes les tailles. Des petites, des moyennes et des très grandes. Des communes, des rares et des ultra rares. Mais pour les ultra rares, on verra ça après. Bon, je vous l'avez compris, une toute c'est un roleplay, les gars. Conserve mais chelou. Dans ma poche. Ok, ouais, non, c'est pas du tout un bail jeu vidéo. Je pensais qu'il allait parler de jeu vidéo, mais pas du tout. Ma boîte de conserve possède une particularité. Il lui manque la languette.
On va rester sur les petits. Ah, déjà, c'est quoi ça dégaine avec... Les gars, qui met en 2020 des chemises en jean sans manches? Je proviens du Portugal. Et je possède l'édition rare avec la couleur plaqué or du dessus de la conserve. Elle est vraiment chépère lui aussi. Hein. Oh là là. Et pour me procurer cette boîte de conserve, j'ai été obligé de faire un crédit. J'avais le choix entre acheter une nouvelle voiture ou cette boîte de conserve. Mais comme je suis extrêmement fan de cette collection, ok, j'ai choisi ceci. Oui, oui, d'accord. Ok, allez. Mais il a acheté une boîte de conserve au lieu d'acheter une voiture. Oui, on a compris. Oh, il est mignon! Ah, gros, là, il se met bien, là. Il va dégommer la pastèque. Putain, le lapin, il vit sa meilleure vie, gros. T'as la classe. Putain, j'aimerais bien être à sa place, là. En plus, la pastèque, les gars, c'est mon fruit préféré. Ouais, je te raconte ma vie. Ah, il lui a servi un morceau de cow-boy, quand même, hein, pour un lapin. Ah, frère, il la lâche pas, la pastèque, gros. Ouais, vous voulez même bouffer le truc vert? Où il lèche même le jus. Bon, il avait la dalle. Bon, là, les gars, c'est la fin de la vidéo. Franchement, on est passé par tous les états. Des bails chelous, des bails plus chelous, des bails un peu moins chelous, et un lapin qui bouffe une pastèque. Je vous jure, je m'attendais vraiment pas à ça en commençant cette vidéo. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir par un bon petit pouce bleu, les gars. Ça me fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo. Bon, en tout cas, les postos, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous souhaite un bon time en fonction du moment au cours duquel vous regardez cette vidéo. Et écoutez, je vous dis à la prochaine. Peace! Je bouge du quartier, je ne peux te prévenir. Si j'avais trop peur de moi-même dépérir, ne le dis à personne, je ne veux pas douter. Je suis trop perçu, y'a qu'un drone qui peut me shooter.